c'est Cupidon de la course de la Saint-Valentin de Paris, des frontrunners de Paris. Et aujourd'hui, je suis avec Virginie Lemoine. Tellement belle, tellement forme, tellement magnifique. Jamais été aussi belle. Et Stéphane Corbin. Pareil, jamais été aussi belle. D'abord, qu'est-ce que vous ferez le 18 février prochain à Paris? Je serai en Savoie, chez la grand-mère de Stéphane. Non, on sera à la course de la Saint-Valentin. Au parc des Buttes-Chaumont. Oui, bah, du coup, si Virginie y est, j'y serai aussi, je fais tout avec Virginie. Je ne la quitte pas. Donc, si elle y est, j'y suis. Ah bah, c'est super, on sera heureux de vous accueillir. On se sent beaucoup plus stressé que nous. Ouais, c'est marrant. Nous, alors, nous. Quoi? Parce que j'ai bien l'intention de fêter la Saint-Valentin avec mes deux chats. Voilà. Bah là, j'aurai la chance d'être au studio des Champs-Élysées le soir. Bah, ça fait ma joie de me dire que je vais passer la journée avec vous. Allô. Le soir même, vous allez vous... Allô. Vous allez être ensemble. Pourquoi vous acceptez? Ça ne veut rien dire. Allô. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez tous deux accepté d'être à la course de la Saint-Valentin cette année? Bah, d'abord, alors, je tiens très 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 à cœur à Stéphane et à moi, d'une part, et puis d'autre part, mon frère aîné Étienne, il fait partie des Gay Games depuis des années, donc je vais devoir enfin courir. Et puis depuis le temps qu'il me dit je cours au Buttes-Chaumont avec mes copains, quand j'habitais en face, je disais mais viens, venez tous boire un verre, je ne vous dormez jamais. Donc je vais enfin pouvoir faire la connaissance de tous les amis de mon frère. Bah, parce que d'abord, c'est une course qui me tient très à cœur et que je suis, comme Virginie, très heureux de, dès qu'on me sollicite, de défendre tout ce qui lutte contre l'homophobie et qui prône la diversité et la tolérance. Et puis j'adore voir les hommes en short. Les filles aussi. Ah oui, aussi, les moins les voir, mais c'est moi j'aime bien, je trouve un garçon comme ça. Je sais pas, je suis parfaitement hétérosexuel, mais c'est vrai que je trouve que des jolies jambes musclées, qu'elles soient féminines ou masculines, c'est joli à observer. C'est joli. Donc, et pour finir, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelques mots sur le 31? Le 31, c'est une comédie musicale qui raconte l'histoire de 4 amis sur 20 ans, qui a cette spécificité qu'on prend l'histoire à l'envers. On commence en 99 et ensuite tout le réveillon jusqu'en 79. Donc on découvre les liens d'amitié et d'amour qui les unissent. Et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur avec Virginie, donc qui va mettre en scène. Moi, j'en ai composé les musiques parce que c'est un projet qui parle des funambules, qui est un projet dans lequel Virginie et notre marraine participent activement, et qui est un vaste projet que j'ai lancé contre l'homophobie il y a 4 ans déjà, dans les manifs. Et voilà, donc c'est tout ça, construit des familles et fait des enfants. On fait beaucoup d'enfants avec Virginie. Et 31, c'est un beau bébé. On est vraiment fiers. Mais j'ai donc le 31, qui me tient très très à cœur. Il y a le bail que je joue au rive gauche. Je joue tous les soirs au siège mortel au La Bruyère. Je suis en train de finir d'écrire un spectacle avec Stéphane qui fait la musique. Je vais loin chercher les gens. Avec Sophie Léon, qui va se jouer au Festival Avignon cet été. Voilà, et puis j'ai quelques projets de mise en scène. Et puis une belle tournée l'année prochaine. Et puis un autre spectacle avec Stéphane aussi. On va loin se chercher. Voilà. Et merci à vous de nous avoir ici. On est très heureux. Franchement, on est heureux et on est très honorés avec Stéphane d'être pareil marraine parce que vraiment pour nous, ça a beaucoup de sens. Vraiment. Et on le fait avec beaucoup de joie et beaucoup d'entrain. Là, on est un peu fatigué, mais alors dans 15 jours, là, le 18, on va être au top, on va être au sommet, on sera beau, on sera fraîche.